Les gars, on va tester, comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé un truc pour que les graphismes soient meilleurs. Mais est-ce que ça va fonctionner? Là est la question. Donc on va voir, vous allez me dire ce que vous en pensez, tous les gens qui vont passer par là. Tel, 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 tel. Pas trop. Est-ce que ça va être plus beau ou pas? On va bien voir. Je vais demander à aux poteaux qui passent par là, qui sont habitués. Vas-y, on va aller faire des résurgences suprêmes pour s'échauffer en attendant Molotux. Ça me semble beau, mais ça me semblait toujours beau au final, donc je sais pas vraiment. Ça va en vrai. Extrême, bah ouais. Va voir les gars, on va voir. Ah, voilà, ça utilise 46% de mon GPU, processeur 21%, ouais, on est bon. Salut mon petit feuf, sympa ton petit béret. Et salut Ashura, comment il va celui-ci? Qu'est-ce que tu penses de la qualité Ashura? Ouais, mais toi t'es pas là hyper souvent, mais est-ce qu'il y a des lags? Est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que ça te plaît? Au niveau graphique, je parle. Ça se passe bien ton taf, mon petit Ashura? Ça m'a l'air fluide. Ok, parfait. On y va. Va à contrôle direct, hein. Ce chien. Bien ouais. Plus fatigant que la plonge à monta. Ah ouais? Tu trouves que la caisse c'est plus fatigant que la plonge? Putain, mais chaud. Et en quoi tu trouves ça plus fatigant du coup mon bon Ashura? Oh putain, frappe de précision de terrasse.
La grosse par là. Merde. Elle a dit j'ai bien dû faire 200-300 clients. Allez! Moi ça va, je trouve pas ça fatigant la caisse en vrai. Mais bon après chacun sa vision du truc hein. Ok, je vais essayer de rejoindre mes potos. Oh putain, pardon. Putain, j'ai des lags. Attends, on va faire un truc. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il me dit mon petit Achoa? 3000 euros de CB. Oh, ça va, c'est pas. C'est tout? Ah ouais, mais ouais, une caisse du coup, mais ouais, putain, 3000 euros de CB, ok. Après, vraiment, ça, j'avoue, la caisse. Je vois un peu ça comme de la branlette, on va pas se mentir. Parce que je l'ai déjà fait, hein, et ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais. Attends, mais là, il y a un gros. Y'a des énormes lags là, attends, attends. Ah mais là y'a des énormes lags là. Il faut que je me cache les gars, 30 secondes. Je fasse mes paramètres. Et coucou et salut Sam. Là au pire on va mettre douze mille. Bien 12 000 appliqués. Ça va Sam. Qu'est-ce que tu penses de la qualité Sam comparé à d'habitude? Au niveau des lags, au niveau de la qualité, la fluidité du live. Je fais quelques tests. Parce que là déjà tout à l'heure j'ai upload une vidéo sur YouTube, elle est presque en 4K. Et il y a des moments qui bug, j'explique pas pourquoi. Toi. Là. Activité là. Retour à la base. Frappe de précision alliée en approche. Prenez les escaliers en cul.
Il est là. Et quel endroit exactement cet enculé? Chopez-le! Bien joué. Oh, bien joué ça aussi. Sympa, il y a moins de pixels quand tu bouges beaucoup. Ah! Ah! Ça, c'est bien ça. Ok, ça me va. Cimer ça. C'est exactement ce que j'ai essayé de modifier. Oh! Putain de merde. Mais passez pas devant moi. Oh! Cuit. Pique par là, je crois. Allez, on se casse. Oh putain! Qu'est-ce qu'il va branler ici? Mais ça, c'est un ennemi aussi? Oh putain de merde. Vas-y, Autoréa direct. Cimer le frère. T'es vraiment le sang de la veine. Attends, mais lui, c'est un ennemi, lui. Ah non. Merde. Anna. Merde. Ouais ouais c'est vrai que par moment tu te fais enchaîner mais j'avoue enfin moi je sais pas comment dire mais ça m'a jamais vraiment dérangé de... ça me faisait... Tu sais j'avais l'impression qu'il y avait plus de travail quand même quand je me faisais défoncer en plonge qu'en caisse tu vois ce que je veux dire? Après comme je disais chacun sa vision du truc hein. Thank you brother, thank you, thank you, thank you. Copain. Attention, gros contrat en vue. Mettez-vous en plein les poches. Attends, cette zone-là, je l'aime pas. À chaque fois, je me fais bloquer par les murs là. SVA. Oh putain. Oh putain. Ils étaient sur le toit, ces fils de pute.
Ah, on aura fait 3 kills. Moi aussi, je me suis fait enchaîner à cause des achats de rentrée. Ah bah oui, c'est vrai, là c'est la rentrée. Ah oui, c'est vrai. C'est beau ce qui se passe. Ça joue en équipe, il en reste 2 en vie. Ah oui, mais oui. Mais oui, ça va raise en plus. Oh là là. GG bro, GG, thank you. J'ai eu peur, pardon. Coquin. M'a bien précisé la tronche, ouais. Merde. Est-ce que les poteaux ils sont chauds? Troisième place. Aujourd'hui par exemple, j'ai encaissé 530 euros pour une personne. Putain de sa mère. T'as dû faire tellement mal au cul à cette pauvre personne. On pense à toi la personne d'ailleurs, une hein, petite. Bon du coup ça a pas l'air de bugger, la qualité a l'air sympa. Attends. Vous avez pas l'impression que c'est en accéléré, non? Tout va bien? C'est moi qui phase? Tout va bien vraiment? Vous avez rien de chelou? Man, il faut que tu viennes goûter le produit. Oui, j'ai dû lui faire sacrément mal. Bah après, toi, t'y es pour rien. Hein. Toi, t'as juste annoncé, toi. Toi, t'es le présentateur, un peu, tu vois. C'est lui qui a voulu jouer. Ten, 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 ten. Man, il faut que tu viennes goûter le produit.
Ping ping tout le monde, ping 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 à toi. Ping ping Molotox, Molotox, Molotox. Toi tu vas être bien pour dire ça. Qu'est-ce que tu penses de la qualité? Qu'est-ce que tu penses de la qualité? Voilà. C'est aussi simple que ça. Que penses-tu de la qualité, de comment c'est fluide, de est-ce que c'est beau? Parce que je crois que j'ai trouvé comment faire pour que ce soit un peu plus beau. Et vu que t'es là, Molotox, je vais aller à contrôle, comme ça je vais me faire régler vite. Ça passe? Oh ça passe. Oh putain. Quel dommage. C'est propre, ok. Et t'as pas l'impression que c'est plus ou moins propre qu'avant? Ça te semble juste propre. Ping ping sur Control Center. Merde. C'était des campeux. Hein. J'avais pas vu ton message. Allez, bisous, moi, Shura. Si c'est plus propre. Allez, ça c'est bien. Putain, si merbolo. Du coup, j'ai compris. Je te dirai si tu veux. Après, ça dépend vachement de nos connexions, mais je te dirai. Enfin, pas que de nos connexions, mais... un peu de nos connexions quand même. Parce que là ça y est, j'ai mis ma première vidéo en 4K sur YouTube, mais elle est dégueulasse. Parce que genre c'est, enfin, tu peux la lire en 4K, mais c'est pas du tout une qualité 4K de base. Casse. Il est toujours là lui. Putain mais c'est une blague. Je vais revenir et je vais me le faire. Ah oui, oh là là, mais c'est pas ce qu'il propose lui. Et allez vous faire enculer. J'arrive, vas-y Molo. De toute façon moi je vais pas tarder à perdre si je continue à jouer comme ça. Après quand tu seras là on fera du duo, c'est plus simple le duo, enfin plus simple. T'es pas obligé de te battre contre des teams entières quoi. C'est deux max.
Sauf si tu te fais third party, bien évidemment, mais c'est pas le sujet. Oh putain, non, arrête, 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 arrête. Oh, mais tu es fou! C'est quoi, c'est quoi? Y a que des campeurs partout? Ok, nickel, bah vas-y, mollo. Je t'appelle sur Didi. Faire ban chez Molo et je reviens. Vas-y. À de suite. Il n'est pas encore passé se faire ban. Ok, ça va ou quoi? Ça va être tough, ouais. Ça va. Bon, t'as vu la qualité là, c'est un peu mieux. Ah, c'est propre, hein. Et c'est tout con. Genre, regarde, va dans ton OBS. Alors attends 2 secondes, il faut que je te fasse fermer ta gueule ici. Évidemment. Voilà. Ah vas-y, je t'entends maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors OBS, en haut à gauche, OBS. en haut à gauche, tu vas dans Ouais. Fichier paramètres, En haut à gauche, fichier, paramètres, yes. sortie, Ouais. dans contrôle du débit, t'es quoi, t'es CBR? Contrôle, contrôle, contrôle du débit. Paramètres de l'encodeur. Encodeur vidéo? Bah tu sais, t'as cliqué dans sortie. Ouais. Ok, et là tu sais le deuxième truc, paramètres de l'encodeur. Alors moi, j'ai débit vidéo, débit audio, encodeur vidéo, pré-réglage d'encodeur. Et ensuite, Dans j'ai encodeur audio. sortie. Ouais. Mode de sortie, t'es dans avancé ou pas du tout? Simple. Ok, ah ouais, tu peux pas changer vu que t'es en stream. Ouais. Bah, je t'expliquerai plus tard du coup. Ah Et oui, sinon, d'accord. après, tu peux Ok. aussi modifier. Ah, bah non, 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 tu peux pas. Ok, tant pis. Ah putain, mais il me casse les couilles. Attends, il faut que j'aille faire un truc sur Wizbot parce que. J'ai s'est fait ban. Ah, il fait que ça en fait. Bah. Il casse les couilles, putain. C'est avec tes Wizbot. majuscules aussi là. Ouais, mais après, ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais réglé. Bah c'est pour ça, tu vois, GG, il te permet de voir les failles dans ton système, mollo. Ah, le casse-couille. Je Allez. Connexion avec Twitch. Mais nique-toi, c'est pas ça que je veux faire. Bah du coup, tu vois, pour GG, j'aurais pas dit casse-couille, j'aurais dit bêta-testeur. Non, le casse-couille, c'est moi. Ok. Non, casse-couille. Si tu m'entends, Jérém, casse-couille. Tu penses que tu vas jouer au moins 1 heure à Call of, mollo? Ouais. Ok, cool. Comme ça, quand t'arrives, je mettrai mes jetons, tu sais, pour gagner plus d'XP. Alors, panel de stream. Quoi là? Wizbot, donc c'est. Configuration principale. Notification protection. Filtre des messages. Majuscule. Désactivé. Ok. Je sais plus si j'ai quelque chose à faire pour que ce soit. Non, je crois pas, je crois que Wizbot, tous tes trucs s'enregistrent direct. Ça te met en haut à droite, je crois, quand tu changes un truc, ça te met enregistré. Voilà, Jérém, c'est bon. Allez, tu peux aller écrire en majuscule, cher Rémi. Jamais. Ok, je suis bon. Maintenant, capture de jeu, il faut que je mette Call of. IQ. HQ. Yeah, bro. Sorry, because. Oh, redémarrer maintenant, yeah, of course. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je lance Call of, ils me disent, ouais, gros, faut redémarrer, Ouais, t'inquiète. c'est souvent, c'est pas à chaque fois, mais c'est souvent. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Wow, pourquoi je t'en. Ah, ouais, non, j'ai rien dit. Allez, ça, Shadow, venez là, s'il vous plaît, j'ai des gâteaux pour vous. Shadow, venez, j'ai ça pour vous. Est-ce que ça vous plaît ça?
Voilà, c'est qui décide ici? Non, mais en fait, je voulais juste te laisser parler pour avoir ton nom pour te perdre ma ban, en fait. Voilà, nickel. Je vais réactiver les majuscules tout de suite. Hein. Oh, mais Donc, c'est bah, c'est nul. Ok, studio vidéo. On nous ment. Par contre, je suis pas dans ton groupe. Du coup, T'inquiète, je vais t'inviter. c'est bon, je vais faire rejoindre. Même pas peur. Bah, tu devrais. Parce que moi, je suis une vraie terreur là. Pourquoi je t'entends en double? Ah, je t'entends dans le jeu. Désactive ton chat vocal. Mais je l'ai pas déjà appuyé hier, ça. Non, tu l'avais remis, je pense. Pour Aikishi, la dernière fois, on n'a pas rejoué depuis Aikishi, je crois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, objectif, on fait top 1 en duo, Bolo. Ça marche. Je l'ai fait avec AKH, je peux le faire avec Oh, c'est toi. facile, facile alors. Audio. C'est bon, là t'es désactivé. Non. Bah si. Non. Bah si, hein, vraiment. Voilà, sans. Là, je suis dés... là, je l'ai plus. Alors tu l'avais déjà plus et là t'as juste enlevé le fait que tu peux pas m'entendre non plus, je crois. Non, non, j'ai Genre juste si je enlevé fais là et ça, tu sans. m'entends pas dans le chat. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et le fait que tu m'entendais plus, c'est plus jamais j'écris minuscule. Bon, ça va comment il va, GG? G-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 Unit. C'est l'heure du duel. Ok, est-ce que tu peux me citer plus de 5 personnes de Yu-Gi-Oh? Je Yu-Gi-Oh! parle pas des cartes. Yu-Gi-Oh! Ok, il s'appelle pas Yu-Gi-Oh déjà, nickel. Il y avait son frère. Ouais, c'est ça, nickel. Après, Yugi-B. il y avait sa mère. Ouais, Yugi-Q. Il y avait son père. Ouais, c'est ça, exactement. Ce serait le bonheur. C'est ça, nickel. Yu-Gi-Oh! Je crois qu'il n'a pas de famille, qu'il est élevé par son grand-père. Yu-Gi-Oh! Non, tu confonds avec Jackie Chan. Je n'ai pas fini. Virginie, on piche. On n'est pas fini. De trop, et ouais, beaucoup trop. Ah, t'es Oh. resté que 12h30 sur mon live, toi. Putain. Ouais, moi c'est quasiment pareil. Oui, je me doute. Juste sur ce bâton, il a fait plus. Ouais, moi il doit être à 12 h des 500 heures. T'sais. Ah mais non, il a passé les 500 heures la dernière fois. Voilà pourquoi il a pas d'heure chez moi, évidemment. Ok, rien ne se passe, pourquoi tu ne charges pas? Après, en vrai, tu penses que t'as 500 heures de stream, Molo? Oui. Faudrait qu'on regarde. Tu veux savoir comment tu fais? Regarde, tu vas dans... Dans ton studio vidéo, tu sais, tu vas dans statistiques, vue d'ensemble, et là, genre dans, tu sais, le truc Attends, où il y a. je le lag beaucoup trop là. Ah Attends, bah parce que ouais? là, Ah oui, ça lag un peu, ouais. j'ai pas vu le lobby à quoi il ressemblait. Ah, cool. Et là, t'es dans l'avion quand Je suis dans l'avion. même? Cool. On va à Je contrôle pour frise. s'échauffer. Je frise, mais je suis dans l'avion. On va à bio et pour alors. À mon avis, c'est juste la première game, le temps que tout. Ouais, le temps que la map elle charge. Ouais, que tout se fait bien là. Aïe. Parce que là, pour l'instant, t'avoues que c'est pas fou. Moi je tente la lucarne comme d'hab. Ça passe. Moi, je sais pas du tout à quel endroit je suis. Waouh, mais ça lève beaucoup trop. Pourquoi je suis dans l'eau là? Que se passe-t-il? Ben, je lag beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. As-tu des bugs de connexion, Molotux? Avertissement shader, veuillez terminer le préchargement des shaders. Ah, bah voilà. Retourne dans le menu, Molo. Et finis ce préchargement des shaders. Mais donc, faut quitter. Bah ouais. Bah sauf si tu as l'impression que ça lag un peu moins, mais sinon faut quitter, ouais. J'ai pas l'impression que ça bug un peu moins. Parce que quoi qu'il arrive, en partie, ça charge pas les shaders. Donc vas-y, vas-y, quitte. Quitter la partie. Ah bah voilà, t'as fait pour moi. Absolument. Alors attends, quel endroit je dois le chargement du
Je crois que c'est en haut à gauche là. Non. Ben, en haut à gauche, je n'ai rien. Essaye de revenir carrément dans le lobby lobby. Genre le tout début, juste avant de quitter. C'est le groupe, oui. Quand t'es au tout début, tu vois pas le truc du coup en haut à gauche? Préchargement des shaders. Non, donc si ça se trouve, c'est bon. Ok. Mais attends, vas-y, avant de faire ça, va dans Twitch Studio là. J'ai envie de savoir. Non, mais je pense pas avoir 500 heures en tout. Ouais, mais t'as pas envie de savoir combien t'en as? Studio. Attends, mais c'est encore un truc à ouvrir. Je vais pas ouvrir trop de choses vu que je lag déjà. Ok, ça Déjà, je vais marche. fermer ça. Je vais fermer ça. Mais par contre, je suis chaud que tu m'envoies l'astuce ou que je vois ça. Mais pas tout de Wow. suite parce que là c'est chaud. Je suis à 1560 heures. Ah, bah, je les ai peut-être mes 500 alors. Bah ouais. Ok, t'es bon? On lance la partie? Ouais, Ah non, attends, il faut que attends, je mais on n'est t'invite. pas en groupe. Ah Ah, il est beau l'ordi. Mais ouais, mais c'est, tu vois, c'est bizarre quand même. Parce que j'ai du meilleur matos, mais mais t'as changé ton processeur? ouais. Ah bah ouais, bah c'est bizarre. J'ai changé processeur, carte mère. Peut-être la connexion là qui est nulle à chier. Non, connexion, je suis bon T'es en normalement. Wi-Fi en plus toi, non? Alors, non. On a acheté un répéteur de box chez Orange. Et du coup, je suis branché sur ce répéteur en Ethernet. Mais du coup, je le capte bien. Donc t'es en Wi-Fi quoi qu'il arrive. Non, parce que en fait, ce truc est connecté à la prise Internet, à la prise électrique. Et du coup, le réseau passe par là. Oh. Et c'est pas en Wi-Fi. Et du coup si le réseau passe Dans le, par l'électrique. et pourquoi est-ce que vu que le réseau il passe par l'électrique on peut pas brancher nos PC à l'électrique? Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie question hein. Pourquoi quand je branche mon PC il est pas branché à la Wi-Fi alors que quand tu branches ton répéteur oui? Ouais, parce que en fait, quand tu achètes le répéteur, tu le paramètres déjà à côté de la box. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait tout simplement pas faire ça avec un ordi? Complètement con. Ah, ça, je sais pas, par contre. Ouais, autant Il pour a commencé à me casser les couilles avec ses questions, lui. C'est vrai, autant pour moi, mais tu sais, c'est mon problème, ça. Mais tu verras en Espagne, tu feras beaucoup moins le malin. Pas trop le mec avec moi, quand même. Frère, je t'ai prévu le meilleur truc. Je vois le genre. T'es pas prêt. C'est vrai que Tata t'as rien spoil, hein. Non, Tata m'a absolument rien spoil. Elle a dit la tombe à mon grand-père, je te dirai jamais rien. Et tu sais que quand Tata dit ça, c'est la vérité. J'ai essayé, hein, j'ai essayé, hein, j'ai tout donné. Hein. J'ai joué un peu la carte du ah, je suis hyper déçu, ou ah, ouais, ça préfère mollo. J'ai fait un peu le tristounet, rien n'a fait. Cet espadon sait garder un secret. Beaucoup trop drôle surtout. Ah, je t'ai tiré dessus. Je viens d'en éclater un qui ressemblait à un Ah, spartiate. mais je sais, moi j'ai vu la scène, j'étais en train de te sniper. Ah, cool. Ok, Molo, c'est notre moment. Est-ce qu'on tente contrôle? Ou on tente chacun de notre côté? Toi, tu viens à bio et pont tranquille et moi, je vais à contrôle. Moi je vais à bioweapon tranquille. Enfin, tranquille. Vas-y, je vais à bioweapon. Ok, je viens à bio et pont avec toi. Mais on va à un étage différent. Je vais à contrôle. Ah ouais, bah vas-y, on va à contrôle. Non, 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 comme tu veux, tu Vie, veux. on va à contrôle direct. De toute façon, ça nous entraîne, on est là pour la fight. Allez, on va à contrôle, on est là pour la fight. Je suis content si j'ai réussi à rendre le stream un peu plus beau. Putain, c'est génial. Ok, contrôle, c'est parti. J'ai tenté d'arriver sur le toit du toit, genre là, là. C'est une bonne technique de bâtard, ça. Oh putain, c'est F. Oh non, mais t'es sérieux quand je le rate? Confirmé.
C'est beau ce que tu fais, Molo, là, à côté de la fontaine à Molo, du coup. Je suis de retour, Ren! Oh, je suis mort. Merde, moi Chez aussi. Just, c'est beaucoup trop calme. Rejouer. Après, si tu veux, même, on peut tenter. On peut partir en. On se met à 4, tu sais. On a deux poteaux, on s'en bat les couilles, vu qu'on a enlevé le chat, rien à foutre. Et ça nous fait plus de chances de revenir, et on est dans le mode où il n'y a que des armes de fou. Non, mais vas-y, refaire en duo. Ah, c'est. Mais on va à bio-weapon. Et on va à bio et bon, ça me va. C'est toi, tu sais quoi, tu es le cercle là pour cette partie. Très bien, ça me va. Roger Zat. Tch, terminé. Roger Tart. Ouais, c'est comme Roger, c'est Roger Federer. Là, c'est Zat. Ah, c'est du pénis. C'est du pénis de table, absolument. Putain. Après cette partie, il faut qu'on pense à faire un retour salon. J'ai pas mis mes trucs d'XP améliorés là. Bravo, super, super. Voilà, parce qu'on n'est pas prêt de retourner au salon, je te le dis, bon, parce que là, on a un top 1 à faire. Attends, déjà, on a un chargement à finir. Alors, OBS ici, Call of ici. Voilà, on est bien. Hey, salut 50 Cent. Salut, man. Comment ça va 50 Cent? Ah, je voulais écrire en majuscule sur ton chat, quoi. On écrit en majuscule sur le chat de Molo. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Pourquoi j'ai là un écran noir? Noix. Il est très noir cet écran. Qu'est-ce que t'as, toi, pleuré? Vous êtes bizarres toutes les deux aujourd'hui là. C'est qui est bizarre aujourd'hui? L'ado et Faya. Faya, bon, ben, elle commence à être vieille donc voilà, mais aujourd'hui on est pas en forme. Elle a vomi cette nuit et puis pas en forme. Ah Et puis merde! l'ado qui d'habitude court toujours partout et fait chier tout le monde tout le temps, là il est très calme. Non. Un petit peu inquiet. Peut-être qu'ils sentent l'orage. Y'a pas d'orage par chez toi? Non, 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 non. Mmh. Par contre, j'ai toujours un écran noir, c'est normal. Moi je suis dans l'avion là. Super. Tu passes un bon moment? Ça va. J'aperçois Bioépon. Ok, bah Mais je te tu vois pas passes dans un la bon game, moment. ouais. Ouais, je vois que t'es dans la game. Cool. Vas-y, j'ai essayé Attends. de sauter et de t'attendre, Alors, voir si t'arrives. PS4. Ah ouais. Ouais, je vais le relancer le jeu entièrement. Vas-y, tu me dis quand t'es bon. Fermé, allez. Putain, les deux, ils étaient dans la même équipe, évidemment. Évidemment. Au pire, un de ces quatre, là, j'irai porter mon PC à LDLC Ouais, pour leur demander si t'as bien tout fait. pour leur demander de si j'ai bien tout fait et si j'ai des trucs qui peuvent être faits pour l'améliorer les performances. Évidemment. On fait. Ouais, j'arrive même pas à quitter le jeu, nique ta mère. Trop là dessus. Fin de tâche. Attends, ça, je peux fermer ça.
Ok. Du coup, je réouvre Call of Duty. Ils vont me dire oui, faut relancer. Faut redémarrer le jeu. Oh oui. Oh putain, je me casse. Non, mais je pense que j'ai fait. Il doit y avoir une couille dans. J'ai dû faire une couille dans le pâté. Bah, il semblerait, ouais. Là, ce jeu, il a l'air incroyable aussi. Je pense que je vais me le faire. Black Myth. Ah oui. Tout ce Évidemment. Val, mais. Il a l'air vraiment bien, ouais. Putain, je me fais défoncer. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Bon, bah écoutez, les enfants, je vais redémarrer l'ordinateur et puis je vais pas relancer le stream. Vas-y, ben redémarre l'ordinateur et je t'attends. En Je te attendant, fais des bisous. je fais quelques kills en ton honneur. Vas-y, vas-y, ben, je reviens tout de suite. Oh les couilles. Oh bien wesh. C'est pas bien de se moquer, GG. Il est pas gentil ce GG. Je suis sur le retour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oh putain. Oh merde. Moi je donne tout ce que j'ai là pour l'instant. Je suis l'équipe numéro 1. Bon, j'ai fait que 4 kills. Ça veut dire que les autres équipes sont pas folles, mais. Ok. Là, il y a un gonze. M'a défoncé. Il m'a fait du mal. Aïe, 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 Ah bah oui, ouais. à 4 pattes. Ouais. Du coup, c'est bon, moi je suis dans le menu. Eh bien, je t'invite. Je mets mes petits badges et je lance cette game. Tu prends des sales one shots, mais ah bon?
Là j'ai été de. J'étais la cible du ball trap, tu sais. Dès que j'ouvrais le parachute, ils entendaient Pull! Oh! Wow, tu peux débloquer une masse pour le corps à corps. Bon, du coup, c'est toujours toi le sergent parce qu'on n'a pas fait ta game sergent, du coup. Absolument. Toujours bio-weapon? Toujours bio-weapon. Et cette fois-ci, je les fume. Et moi je vais sur le toit. Enfin, on va sur le toit, on va à quel endroit? Je passe en lucarne, moi. Vas-y. Non, attends. Plus précisément, je tente de Ok. passer lucarne. Très bel accueil, j'arrive, tu rentres. Hey, comment il va? Ça va, bebe ou quoi? Moi je rentre tout le temps, tu sais, c'est pas uniquement quand t'arrives. Comment il va, bebe? Bah alors. Bonjour, et où? Bon, Oh. Vérifiez bien votre équipement. On part bientôt. C'est mardi. Et le moral, gros. Tu sais même pas, tu sais même pas, tu sais même pas. Déjà, je reçois une bonne partie demain. Allez. Moi, de toute façon, je vais aller sur le premier marché. Parce que c'est ce que je pensais, ça peut être drôle à faire aussi. Faire quoi? Mais toi, t'as tout commandé déjà, mais genre, on aurait pu aller sur le marché, tu sais, genre avec chacun un budget. Et celui qui revient avec la meilleure tenue, il a gagné, tu vois. Mais alors? On peut faire ça. Ouais, ça n'empêche rien, moi j'ai bien une tenue, mais C'est vrai. Ah, tu comptes te changer? Ah, ouais, pardon. Attends, pour moi, t'as changé, moi, là. bizarre, mais pour Ah, vous, c'est bizarre. super. Donc du coup j'ai pris mes billets d'avion, j'ai pris pas de place, enfin j'ai sélectionné aucune place. De toute façon, c'est ce que je me disais, c'est le même avion que nous. Ouais. Donc si nous avec Gate on est à côté, je sais pas si on avait pris à côté ou pas. Si on est à côté, toi t'as juste à mettre à côté de nous. C'est des lignes 2-3, donc quoi qu'il arrive, le mec qui est censé être à ta place, il est censé être tout seul. Bah ouais, Tu vois ce c'est que je veux vrai. dire? Je vois. Oh putain, j'ai sauté. Vas-y, bah contrôle. Tu peux le ping? Là. Ok, ben bah là je suis pas du tout moi, je suis au sol là. Je vais essayer de te rejoindre. Vas-y, t'inquiète. Je crois pas qu'il y ait grand monde, c'est étonnant, mais. J'ai un buggy, il y a quelqu'un dans cette maison. Ici, prends une balle. Les deux infos qui n'ont rien à voir entre elles. J'ai un buggy, il y a quelqu'un dans cette maison. Il y a un gros sur moi, attends. Quelqu'un dans ce bâtard. Je sais, j'arrive pas à te voir sur la mini. C'était en haut que c'était ça. On s'est ouvert la porte dessus. Je vais essayer de te rejoindre, le man. À quel endroit? Ah ouais, je te vois. Ouais, Côté t'étais du pas si loin parking. en vrai. Hein. Salut. Salut, installé, rentré. Oh putain, mais y'a un mec dans ton grenier, t'es au courant de ça? Bien
squatter. Ouais, ouais, y'a un mec dans le grenier, il vient de me mettre à terre. Derrière toi, ouais, là, 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 là. Ah bah il a sauté, je crois. Ah non, il est là, ouais. Mais nique ta mère. Je lui ai mis trop de balles de... Ah gros, même moi je lui en avais mis avant, tu sais. Je le voyais vraiment pas par contre. Ah, il était caché dans le canapé, ce petit coquin. Coquino. Voilà, c'est qui? Tu vas le trouver caché en bas d'un escalier avec un lance-missile de véhicule pour tuer un homme. Ce bâtard, GG, ça trash talk encore. GG, il est toujours désagréable. GG, il est très souvent désagréable, c'est vrai. Déjà, c'est un mec qui écrit en majuscule, tu vois, ça c'est ce que je peux pas supporter. C'est, bah ouais, ça montre déjà une certaine haine enfouie, je pense. Ouais, tu sens que le mec il gueule à chaque fois qu'il parle. En plus, c'est exactement ça, GG, dans la vraie vie, il gueule en permanence. Bah, je me doute. Un peu comme moi, quoi, c'est un hyperactif. C'est ça, vous avez à peu près le même volume sonore, c'est vrai. Peu de choses près. Les parties où je suis le meilleur, c'est quand t'es pas là. Tout à l'heure, j'ai fait 4 kills, là j'en ai fait 1, je crois. Et encore, je suis même pas sûr du 1. Moi, j'en ai fait un. Belle. Toi, t'es un beau gosse, de toute façon, toi. Il a fait ça chez toi pour les 36 heures. Putain, ok, d'accord, donc on a des preuves de ça. C'était pas juste du trash talk, c'était un flashback. C'était quoi donc? J'avais fait. T'attendais un mec sous un escalier avec un lance-roquette pour véhicule. C'est vrai, je me souviens de ça. Ok, autant pour moi, ok, c'est pas. Ça marche. C'est un flashback. Un reminders. Il y a des moves sympas, comme moi la dernière fois je suis arrivé. J'étais gay chaud, je venais d'en tuer deux. Je vois un mec en bas, je lui saute dessus, je commence à tirer et en fait bah, j'avais plus de balles. Du tout. Donc c'était un peu plus dur. Ah, je vais me mettre là et je vais faire du ball trap, j'adore faire ça putain. Mais gâche pas mon plaisir toi. Toutes les unités ici, Shano 01, le déploiement a été autorisé. Terminé. Chut, terminé. Si Shano 01, autorisation de terminé. Je vous dis qu'il faut le faire pour putain de merde. Oh, combat d'infirme, merci GG pour ce combat d'infirme. Allez, cette fois-ci, bio-weapon. Bio-weapon. Et on est groupir dès le début. On est groupir sur le toit, on the roof. Non, moi je vais lucarne. Ouais, donc on est pas groupir, on est... On est groupir mais pas trop, tu vois. Ouais, ok. Oh, bon ben je suis sur le toit. Nickel, ben moi je suis là où tu comptais atterrir. Pourquoi j'ai l'écran moche? C'est moi qui t'ai mis l'écran moche, t'as un peu plus de vie je crois. Tu as cassé quelque chose? Ouais. T'as cassé quoi? J'ai cassé, tu sais les petites caisses rouges, je t'avais montré ça je crois. Je vais te montrer alors. Je suis au moins 2 en partant du roof. Ah bah non, je suis au même que toi. Est-ce qu'il n'y a pas des caisses rouges ici? Non. Il n'y a pas de caisses rouges là. Un peu compliqué de te montrer. Viens tout en bas.
J'y suis. Ah ouais? Ah oui, t'es tout en bas du coup. T'es à la douche? Ah non. Putain, merde, mais y'a aucune caisse nulle part. Tiens, si tu veux des vraies armes. Comme ça, tu te mets humble, man. Comment ça? Les armes qu'il y avait par terre là, c'est les miennes. T'as mon snipe et ma mitraillette qui est bien équipée et tout, juste pour toi. Non, pas celle-là. C'était celle-là là. Ouais. Et le snipe, c'est ouais, celui que t'as. Et du coup, bah, y'a pas de caisse rouge, je peux pas te montrer. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Chier. Ok. De toute façon, on peut y en avoir dans n'importe quel bâtiment. Il y a du mouvement là. Ah ouais? J'ai entendu des coups de feu pas loin. Ça venait plus de la droite, je crois, si je ne m'abuse. C'est toi qui ouvre des portes là? Ouais. Ok. Oh. Un petit connard quelque part où je peux lui mettre une petite tête sortie de nulle part là. C'est beau ce que tu fais, tu parles en rime, man. C'est toi, le genre de la routine. De la routine, il a dit. Ok. Ah, y'a un mec dans ton bâtiment, fait Kay, Molo. Quel endroit vers. Je dirais quasiment tout en haut. Dernier étage avant le toit, je crois. Ok. Il a fait péter une mine que j'avais posée. Ah non, ok, non, c'était une mine qui était bien plus loin que ça, autant pour moi, il est pas dans ce bâtiment. Il doit être à bioépon, je pense. Y'en a un sur le toit là, du cumulus. Ah ouais, ouais. Cumulus, il m'a dit assez. Il s'est pris une balle. Mais il est pas totalement sur le toit. Il est mort. Ah, il s'est pris une assistance, j'ai eu une assistance, donc y'a quelqu'un qui l'a fini. Un gonze ou c'est un cadavre? Un cadavre. Vas-y, viens, on se casse. Suis-moi. Vers quel endroit ping moi un point? Par là, là, ping ping, par ici. Ping ping. Ici exactement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense que ça le fout par là-bas. Vas-y, viens, on y va. Ah, regarde, là, tu vois les petites caisses rouges comme ça là? Ouais. Et souvent t'as des autoréas dedans. Prends une autoréa si tu veux. Vas-y, viens. Ok, je vais me poser sur le bateau. Ah, t'as pris le fil? Ok, vas-y, je te rejoins. Oh oh oh, je me fais shot, mais c'est bon. Puis on si jamais tu les vois, ping-les. Hein. Ouais, j'ai pas vu là. Et si t'as des plaques, plaque-toi aussi, Molo. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Bien, ouais, je le manne. Putain, je me suis fait shooter aussi. Ah ouais, ils sont sur le toit. Ah ouais, ok. Il est là, là. Ok, il est à terre. Ce chien, j'ai rien pour... Il y a ses potes avec lui qui arrivent, là. Ouais, je l'ai vu sauter.
Donc du coup ils vont certainement se remettre par Ah la oui, bah force. là ils vont le reste, là c'est sûr. Ok, ils vont essayer de nous niquer. J'ai mis un flotte à quelqu'un. Un flotte à un autre, je prenais des tirs donc je reculais. Merde, je suis à terre mais je m'autoréa. Je pense qu'ils vont nous push, ok. Oh, j'ai la zone. Nous push. Ah oh, putain, ils m'ont niqué. Cours, mollo. Ah. J'ai Et tenté de merde. courir mais non. C'est pas grave, bon, en vrai ça va. Enfin non, on a fait de la merde mais... On n'a pas croisé d'ennemis donc ça allait. On n'a pas croisé grand monde, comme a dit GG, sont où les vilains? On était les seuls vilains de cette map. Ah c'est dommage qu'il y ait eu la zone qui met push d'un côté et On était bien groupir par contre, c'était bien. Oula, attends, c'est du Monster Vert ça, non? absolument pas, c'est du... Alors, Jaffaden, Citronade, Wow, Fuchs. Jeff Dean. Jaffaden. Je connais, c'est American ça. Jeff Dean. Ah ouais, absolument, ouais. C'est American from Leclerc. 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 Tu connais peut-être son frère, Buzz. Buzz Leclerc. Buzz Leclerc, là, son frère du coup c'est Leclerc. Tu niques ta mère, putain. J'ai failli m'étouffer. Ouais. Ah ouais. J'ai si hâte. Va falloir... J'ai si hâte. Non mais parce que tu fais le malin là, là, tu vois ce qui se passe. Là tu fais le malin, tout ça, ok. On va arriver en Espagne, ce qui va se passer, c'est crise d'épilepsie et crise de fou rire incontrôlable. Ça va te durer 4 jours. Bien sûr, bah ça me va. Et GG, ils étaient pour qui les applaudissements? C'était pour Buzz l'éclair? Ou peut-être Leclerc? Ok, mollo. Je fais au moins 3 kills à cette game. Ça marche. Et on va à contrôle. Moins deux. Biocontrôle. On comprend. Oh, voilà, contrôle. Il y a du monde. Ah ouais, comme à chaque fois. Hein. Je tente la lucarne. Putain, ça passe, c'est magnifique. Non, non, non. Ok, je suis certainement à contrôle, mais au pied du bâtiment. Ok. Et là, ça faut que je fasse gaffe parce que je suis à... J'étais juste à côté d'une zone où les trucs étaient déjà lootés. Ah oui, d'accord. Les caisses étaient... Les deux caisses étaient déjà lootées, donc le mec a dû passer pas loin quand même. J'entends des portes, putain. Belle. GG. Bah merci. Un peu moins là. Je suis au sol, putain, je suis Pareil, ah mort. merde, je suis mort aussi. Non. Mais je crois que j'ai fait mes 3 kills donc ça va. Moi, je crois que j'ai pas fait mes deux kills du tout. Cool. Contrôle, vraiment, il faut faire que courir en fait. Hein. Et dès que t'as trouvé tes armes, tu continues de courir. Et si tu croises des gens, tu cours. Un mec, son pote est arrivé par derrière, ou peut-être si c'est pas ton pote, enfin peut-être c'est pas son pote, hein, mais il y a un autre qui est arrivé par derrière. Évidemment.
Moi j'ai eu de la chatte, j'en ai tué un, qu'en avait tué un juste avant, du coup j'ai achevé les deux. Après j'ai fondu comme un pélican sur un autre, je crois. J'ai tendance là de plus en plus à me bloquer contre des tables ou des objets du quotidien qui ne devraient pas me bloquer. T'as tendance à bloquer. Bloqué. T'as tendance à bloquer. Putain, j'ai oublié, fallait que j'aille rouler. Après celle-là, je vais rouler. T'as pas un jeton qui dure 1 heure? Eh ouais. Non mais frère, le temps d'un chargement, de toute façon, je roule. Vas-y, vas-y, bah, moi je ferai un exposé sur le pélican Vas-y, pendant mais que tu par as un contre, temps. je veux que tu sois documenté, hein, tu racontes pas n'importe quoi. Non, 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 Je veux que ce attends, je soit le vraiment ferai. informatif, quoi. Mais à moins que tu aies un meilleur thème à me proposer, peut-être. Je sais pas. Ça existe la langouste du Bengale? Je vais te dire ça tout de suite. Tu pourrais peut-être nous parler des paresseux, tu vois, c'est un rapport avec mon skin. Et tu parles extrêmement lentement. Tu parles même avec l'accent suisse. Sur les paresseux suisses. Les paris suisses. Ok, on va à quel endroit, man? Écoute, on va aller à peu près à l'endroit que tu désires. Bah J'irai ou tu iras. tu sais ce que je vais dire. On va contrôler en cours. On va contrôler au cours, exactement. Je crois que c'est mon nouveau bioweapon, j'aime bien contrôle. Donc ce sera un. Plus précisément, un documentaire sur les paresseux suisses en tatane jaune. Oh, mais c'est sympa comme tout ça. Ah merde, on allait à contrôle? On allait à contrôle. Super, bah je suis à Stronghold. Cool. Si tu me cherches, te rejoins à contrôle dans 3 minutes. Putain, mais je savais qu'il était là en plus. Il est con ce gosse. Je me suis fait buter. Ils sont vénères, hein, ils cachent des snipes dans leur casier. Allez! Ah, t'es un Strongol toi, vas-y, j'arrive. Ouais, je te vois arriver. Oh putain, y'a un autre mec qui m'a vu arriver. Fusil de précision à verrou, c'est bien ça, ouais. Je laisse des munitions. Et sur qui tires-tu? Le sol, je vais me motoréa. Ah, le bazar, tu l'as vu ou pas? Tu peux le descendre? Non mais y'a un mec dans le bâtiment où je suis là, au-dessus de moi. Ils étaient deux.
Vraiment un duo de folie, pas besoin de se parler, ça se suit bien tout ça. Mais évidemment, on est là, toujours. Collés l'un à Je l'autre. coller la petite. Bon, je t'attends du coup. Je suis de retour. Et là, il y a gavé d'équipe autour. Hein. Waouh, j'ai pris des Ah balles, j'ai pris des balles. ouais, c'était ce que je voulais dire par là. Ok, je suis re-rentré dans Stronghold. Ouais, moi je suis en haut du bâtiment aussi. Je mets un petit drone. T'es en haut du bloc. Aïe. En haut du bat. Il y a un gros là-bas. Ils sont là derrière le truc. J'ai mis un snipe à un mec en parachute de folie. Voilà. Me surprends moi-même. Ah, ce chien, il m'a reculé avec un drone explosif. Bien, ouais, je les manne. Je suis vraiment nul aujourd'hui, je crois. Ok, je reviens, je me casse à contrôle, Molo. Meurs et rejoins-moi. Non, je te rejoins, t'inquiète. Vas-y. C'est vrai que t'es pas le genre de mec qui meurt, toi. Je dois mourir. Non, ça, putain. Aïe aïe. Putain. Sur le toit de contrôle si jamais t'es dans le coin, fais Kay. Ouais, je suis presque là. Je dirais pas nul, je dirais mauvais timing chaque fois, pas de chance. Ouais, nul à chien. Je te remercie GG, hein, mais... Oh putain. Hop, je suis mort. Merde. J'ai vu. Allez Molo, on se reprend. Tu veux qu'on essaie de faire A4 du coup et on se met avec des randoms, on s'en bat les couilles, on les tu écoute veux aller pas? rouler? Ah, je vais aller rouler, c'est vrai. Retour menu principal. Allez. Ah ouais, je te laisse faire ton exposé du coup, Molo. Mais du coup, tu relances quand même? Parce que t'as dit que pendant Non, un non, non, match. j'ai pas relancé du coup. Ah bah oui, si, Ok, c'est vrai. Bah bon. si, vas-y, je relance. Allez, c'est parti, je reviens. Allez. Je vais vous parler, messieurs, dames, des paresseux suisses en tatane jaune. Un phénomène inattendu. Dans le monde où la mode se mélange parfois avec l'insolite, un phénomène pour le moins singulier a récemment attiré l'attention des Suisses. Les paresseux Suisses à tétane jaune, à mi-mouvement, en mode décalé entre une légende urbaine. Ce concept est devenu une véritable icône culturelle dans certaines religions helvétiques. Les origines de la mode. L'origine exacte de cette tendance reste floue. Mais il semblerait que tout ait commencé dans les régions montagneuses du pays où le confort prime souvent sur l'apparence. Les habitants, désireux d'aller se mêler l'utile à l'agréable, ont opté pour des tatanes jaunes, ces célèbres sandales souples et confortables, parfaites pour se prélasser à la maison. Au fil du temps, ces chaussures sont devenues un symbole de la détente et du bien-être représenté à travers une figure emblématique, le paresseux. Le paresseux, un symbole de sérénité. Les paresseux, ces animaux connus pour leur rythme de vie tranquille et leur nature nonchalante, sont rapidement devenus l'incarnation parfaite de cet état d'esprit. En Suisse, pays où l'on valorise le calme et la nature, le paresseux s'est imposé comme un totem de mode de vie zen. Les tatanes jaunes, avec leur teinte ensoleillée, rappellent les après-midi d'été paresseux où chaque minute s'étire avec la douceur d'une brise légère. Putain, reviens vite, s'il te plaît, frère. L'impact culturel. Ce phénomène n'a pas seulement conquis les foyers suisses, il s'est également répandu dans la culture populaire. Ces réseaux sociaux ont vu apparaître des milliers de photos et des mèmes mettant en scène des paresseux en tatane jaune, devenus une véritable icône de la slow life. Les événements dédiés ont même vu le jour où leurs participants arborent formellement leur tatane jaune, célèbre de la lenteur et la détente.
le message derrière la tendance. Au-delà de l'aspect ludique, les paresseux suisses en tatane jaune véhiculent un message important dans une société où tout va souvent trop vite. Celui de ralentir, de prendre le temps de savourer les petits plaisirs de la vie. En adoptant cette tendance, les Suisses affirment leur droit à une vie plus sereine, loin du stress et de la pression quotidienne. Conclusion, les paresseux suisses en tatane jaune, bien plus qu'une véritable mode, incarnent un véritable état d'esprit. Ils nous rappellent qu'il est parfois bon de lever le pied, prendre soin de soi et profiter des moments calmes. Alors pourquoi ne pas enfiler aussi une paire de tatanes jaunes et embrasser le mode de vie du paresseux? La sérénité n'a jamais été aussi stylée. Voilà. C'était Miguel le Suisse. Putain, je suis vraiment désolé pour tout ça, putain. Merci, frère. Et GG, bordel, y avait pas la musique parce que c'était le documentaire à mollo. Tu vois bien? Avec tes cartons jaunes, là. Un documentaire aurait pu mériter une petite... Oh! Oh! Le moto réanime. Vas-y. C'est une chute. Oh bah, zut! Oh bah, chute alors! GG qui a mis MDR. T'as quel endroit? Oh, t'es tout là-bas. Ah, mais t'as un bio-weapon. Oh. Oh oui. J'arrive discrètement. Ouais, j'arrive vers toi, moi. Et il y a un véhicule juste là. C'est moi. Je suis discret. Mais c'est trop bien par contre ce que t'as fait, gros. Comme ça, tu les as vus? Ils sont tous sortis pour essayer de te fumer. Bah ouais, bah là, ils essayent tous de me fumer, hein, vraiment. Ouais, il y en a un qui est sorti pour essayer de te fumer, il s'est pris une balle. J'étais juste derrière moi, à une fenêtre au snipe. J'ai changé de buggy, celui-là il était cassé, je vais refaire le tour. J'ai envie d'écraser quelqu'un. Oh putain de merde, oh putain. Essaye de refaire le même tour si tu peux. Ça va être un peu chaud là, je vais passer par derrière les barrières. Ok, on va par là. Reviens vers moi. Ouais, là je vais arriver vers Bioépon, tout ça. Ok. Je suis dans le virage de bio-weapon. Je pense que tu vas bientôt passer devant moi là. Ouais, je suis à côté de toi, je klaxonne, ça va ou quoi? Allez. Ça vous attire? Vous voulez voir ce que c'est? Une voiture? Oh mon dieu, une voiture. Oh, une voiture. Les gens sont pas curieux ici. Non. Et puis, ils marchent pas au milieu de la route, c'est ça qui est dommage. Bah alors attends, je vais prendre deux zones. Tu vas refaire un passage ou pas là? Je sais pas, non, là je suis en train de tracer, j'essaie d'en trouver. Merde, oh putain, j'ai failli bloquer le buggy. Je répare le buggy. Putain, beau gosse, y'a personne qui m'en veut. Vas-y, je refais le tour, mais dans l'autre sens. Ça marche. Donc normalement tu vas me voir zone qui est en train de revenir là, fais gaffe. Tu vas me voir arriver, tu sais, par le couloir ouais, le couloir, du bateau ouais. Là. Je vois, je vois. Hey, y'a dude. Ouais. J'arrive, je suis dans le couloir. Ça va ou quoi le sang? Je te vois à ta fenêtre.
Bon bah écoute, je vois personne. Je me casse en hélico. Oh putain, je me fais shooter. Oh putain, oh putain, oh putain. Tu peux les pinger? Bah pas du tout, je suis dans l'hélico. Merde. Ah oui, je vois l'hélico là-haut. Je vais essayer d'en écraser. Hein. Ils sont sur le toit de prison, ces petits bâtards. Bougez pas, j'arrive. Allez, je prends la tyrolienne. C'est dangereux, mais je le tente. Vas-y, le man. Et je vais... Oh, ok, je vais aller là. Oh putain, moi je suis dans la prison, mais il y a un gros pas loin de moi. Aïe aïe aïe! Il était à quel endroit ce bâtard? Bien, wesh. Je suis dead le man. Oh. Ah bah toi aussi il semblerait. Ouais, ouais, je l'ai pas vu venir lui. Ok. On fait des top 25. Bon, c'est pas. Spa. C'est pas. Attends, mais de toute façon, si je fais retour au menu principal, tu reviens aussi, non? Oui. Ok, parfait. Comme ça, on va s'amuser un peu plus. Alors, plus de monde, plus de réa. Tu vois ce que je veux dire, le man? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce cool. Que tu veux un indice? Un indice. Vas-y, je veux un indice. Ah ouais? Putain. Attends, je vais te l'envoyer. Attends. Je vais te l'envoyer par messenger. On va sur messenger, on va sur messenger. Bien évidemment, mais ça, ben, je me doute bien dans tous les cas. Tu sais que j'allais pas te donner un indice plus mieux que ça. Oh, mais même dans tous les cas, ça c'était sûr. C'est l'incontournable. Ah ouais, celle-là, fais-moi confiance, elle est incontournable. J'ai tellement hâte. Vraiment, je me suis comme un gosse, je la reçois lundi. Allez! Je suis comme un putain de gosse, j'ai tellement hâte de voir le résultat qui va être parfait. Ok, contrôle. Contrôle. Ils mettent prison, mais on les écoute pas, on les écoute pas. Vas-y. Ils vont à prison si on veut, nous on contrôle. Voilà, wow, sauf qu'il y a rien à dire, mais ouais. En plus, il n'y a pas beaucoup de mots hein, qui ont bugué, mais ça a vraiment changé tout le sens, quoi. J'ai pas bugué sur cette phrase en plus. Non, d'accord. Je crois. Ils vont à prison si on veut, et nous on contrôle. Ouais. Y'a rien qui te choque là-dedans. Non. Ils vont à prison si on veut. Donc c'est eux qui vont, mais c'est si nous on veut. Ok, j'en ai buté un. Moi aussi. Ah merde, c'est toi, casse-toi, Molo, casse-toi. Oh,
suis mort. Moi aussi, putain de merde. Reste en vie, ouais, autoré à toi. Allez, casse-toi direct, je reviens dans 22 secondes, moi. Oh merde. Oh merde. Je suis avec toi. Je sais qu'il y a quelqu'un. J'en ai vu un rentrer là. Il y a un de ses potes qui est mort. Fais-qu'il, ils sont trois en haut. Casse-toi. T'es encore en vie? Non, je suis mort. Ok, oh putain, mais attends, mais ouais, là, il y avait une équipe de plus qui est arrivée, ils sont 7 ou 8 dans le truc. C'est pour ça que j'aime contrôle. Putain de merde. Ah, je l'avais pas vu. Waouh, bien joué à lui. Il a un TTK moins important que le mien, man. What is the TTK? C'est the time to kill, man. Ah, c'est pas du thon juste cuit. C'est... Non, c'est un TTK. Et c'est pas non plus là où on fait du judo, parce que ça, c'est un TTM. Ah. Et c'est pas non plus la sauce au concombre, ça, c'est des TTK. C'est pas non plus un joueur de France 98, ça c'est Emmanuel Petit. Oh bah ouais, je me suis fait fumer. Viens, contrôle. Les gens sont accueillants, tu vois, je viens de me faire fumer gratuitement là. Ouais, je repars au combat. À contrôle. Contrôle direct. Ça, eux, ils survivent sur le toit de prison, là. Ils nous ressuscitent même pas alors qu'ils ont des fusées devant eux, tu sais. Ok, je suis au sol. Bien joué, gros. Non, c'est bon. Il est sur le toit de contrôle. Et moi, je suis encore dans le décès, là. Eux, c'est des petits bâtards. Attends, je vais aller récupérer la fusée qu'ils ont à côté d'eux. Ah bah on est tous ensemble là, nickel. Je suis au sol. Comment t'as fait? Je me suis pris un snipe. Il a... Je sais pas exactement okay. D'où. Ah, y'a un mec qui nous shoot là. Sur le toit, sur le toit. J'ai pas de plaque. J'ai plus de vie du tout. Oh putain, y'a son pote, ils sont deux sur le toit. Oh putain, y'en a un là. T'as essayé de me shooter là. Ouais.
J'aimerais bien avoir un snipe. Ouais. Oh, y'en a un. Il est mort. Merde. Ah putain, on est tous morts, je crois. Non, pas moi. Ah, t'es de retour? Oh belle putain. 47 secondes, Molo. Il m'a save. Ok. Ça, c'est beau, ça. Casse-toi d'ici parce qu'il y en a en bas qui vont arriver, ils sont au moins deux. Il faut que tu tiennes au moins 30 secondes. Bah ouais gros, qu'est-ce que t'as pas compris dans casse-toi d'ici? Bah gros, il y en avait partout. Mais là tu sors de cette porte, tu sautes à gauche et tu te casses de ce bâtiment. Là t'attends à un endroit où t'es sûr qu'il y a des gonzes qui vont monter. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on est cerné, on est sur le toit de la prison, gros, et tout le monde a les yeux rivés sur nous. Si je veux survivre, Non. je vais pas aller me foutre à découvert. Ça, c'est des suppositions, man. Et à gauche, t'as le phare. Tu sautes à gauche, là, tu rentres dans le phare, tu te caches dedans. Mais il dit qu'il y a personne dans le phare. Alors, rien, mais qui me dit qu'il y a quelqu'un dans la prison, ça, c'est une certitude, par contre. Bah ouais, mais si, qui te dit qu'ils vont me voir, t'sais, si je me couche bien. Bah gros, là, tu vois bien. Quand tu montes, tu checkes toujours les angles. Ils étaient là, ils étaient en train de monter, c'est là où ils nous ont niqué. Ouais, c'est vrai. Là c'était sûr gros, là vraiment. Cependant, on a quand même fait top 5 je crois, non? Moi je crois que j'ai fait 2 ou 3 kills, Moi, cependant, je pense que je vais faire une petite dernière. c'est ta petite dernière, ça y est. Ouais. Je vais pas. Tu veux qu'on aille jouer à Rocket League? Pardon? Non, non, mais en vrai, là, moi, je peux claquer un peu, là, c'est pour ça. Vas-y man. Là, en vrai, ça aurait été avec plaisir qu'on aurait été faire un petit Rocket League, mais là, je vais me poser dans le pieu, tranquille. Je Je vais aller comprends man. chiller. Bon bah là c'est le top 1 alors. Moi, je dis, ça le fait easy. Us. Ah mais merde, c'est toi ça. Bah non, c'est un pote. Et ben moi je vais aller faire du résurgence solo même si ça existe plus. Allez. J'allais faire du duo mais je vais pas combler l'équipe. Je suis un peu un foufou, tu sais, je vais faire du 1 contre 2 quoi. Ouais, je comprends. Peur de rien. Mais moi ce qui est bien c'est que tu ressuscites plus tôt quand t'es tout seul. Et tu sais ça fait comme dans la résu solo, genre tu te fais ton propre compteur quoi. Où va-t-on pour la dernière, mon beau Molo, mis à part d'un chat à ma mère? Avec tout Alcatraz, bien évidemment. Ouais, bon. C'est parti. C'est un peu loin, on va être tranquille, je pense. Moi, je pense que je peux me faire la lucarne, là. Ouais. Allez, prends là cette putain de mitraillette là. Drone amélioré hostile, juste au-dessus. Station de ravitaillement alliée en approche, coordonnées marquées. Calibre moyen,
Y'a des gros sur le toit par là-bas, je pense. Peut-être même ici. Là, j'en ai vu un qui a sauté, qui a loupé sa cible. Mais il y a un petit moment déjà. Oh là, y'en a un qui vient de s'arriver ouais. En face. Il est à terre. Oh, il est presque mort. Il est mort. Y'en a... Ah, ça, c'est un pote là-bas. Ah, t'as ce fusil à... T'as ce sniper là qui est gay bien. Mais il est chaud un peu à manier, je trouve. Mais moi j'ai le à verrou. Oh, y'a un mec sur nous. Ce bâtard il t-bug et tout. Alors qu'il lui a même pas fait de dégâts, t'sais. Des parachutes de partout, j'en touche pas, hein, putain. C'est une blague? Ah, c'était mon collègue peut-être. Attends, laisse-le. Ah, merde. Ah, fou avec ce snipe. Avec le car? Non, le truc à verrou là. Ok. Parce que le car il peut être vraiment bien. J'avoue que moi je suis en train de me barrer depuis tout à l'heure là, tout seul. Et merde. Et t'as dit quoi, Molo, pardon? Moi je le bouge depuis tout à l'heure un peu tout seul. Ok. Oh putain de merde. Et merde. Oui. Je suis encore mort si jamais tu le demandes. Ouais, je me demandais en plus. En fait, je fais des kills par-ci par-là. Molo, t'es un peu notre assurance d'essai. Simer le man. Ok, y'en a un qui arrive derrière toi, juste là.
Là-bas, il y en a un. Il y en a un deuxième. Oh putain, le largage tactique, ça c'est beau ça. À quel endroit ils sont? Oh ce chien! C'est un ennemi ça qu'il y a? Ah non, c'est le poteau ça, ouais. Genre y'a aucune plaque nulle part, sa mère. Faites gaffe, y'en a un par là. Et y'a le poteau qui fonce, vas-y on va le suivre. C'est moi. Y'a un mec qui arrive par là, fais Kay. Ah il est reparti, par là-bas. Les autres ils sont derrière nous, ouais, on dirait. Aïe, oh! Putain, je me suis fait niquer par le... J'essaie d'aller dans le bâtiment. Oh putain, y'a un gros fécaille. Barre-toi au pire si tu peux. Un putain de mec aux pompes. Oh putain, y'a une autre équipe qui arrive. J'espère que notre pote il court vite. Ah ouais, il a couru, c'est bien. Oh putain, oui. S'il tue, on va revenir plus vite. C'est assez beau ce qu'il fait pour l'équipe là. Putain, il l'a vu. Oh là là, mais il est dans une merde. Oh là là, c'est magnifique ce qu'il a proposé. Bah ouais. Et je suis revenu. Je suis toujours là. J'ai essayé d'aller dans le tunnel. Eh, vous êtes tous morts? Ah ouais. Cool. Y'a pas un shop quelque part ou des fusées Oui, voilà, nickel.
GG. C'est pas mal, un GG. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu veux pas en faire une du coup? C'est sûr, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Ouais. Non, non, mais je sens que je tire un petit peu là. Ça marche, Juan Caillou. Par contre, je serai probablement là demain, si jamais. Peut-être que moi aussi. Allez, ça marche. Je vous fais les bisous. Zoubi le man, hein. La bonne nuit, hein. Ah bah, pareillement, hein, surtout. Et bref, tout ce qui va. Ah bah, ouais. Pourquoi? Ah si, salut. Vas-y, man. Merde. Faut que. Je le vire de l'équipe d'abord. Voilà, on part en solo versus duo. Merde. Ok. Attends, mais là on peut débloquer un truc de plus du pass de combat, voilà. Tac. On passe à je sais pas trop combien de pourcents du pass de combat. On est là. Parce que là j'ai mis le double je crois si je dis pas de conneries, fichier paramètres. Sorti 12 000, ouais j'étais à 6 000. Et 60 fps en plus de ça bien évidemment. Ok, let's go. Hein. Oh putain, je suis pas le seul à vouloir me faire la lucarne. Évidemment que je vais aller la gâcher à contrôle, t'es un zinzin toi.
Mais merde! Feuf. Voilà. Tous mes duels contre lui, je me fais éclater. Oui. Pardon, monsieur. Pleine balle en quad. Pas peur de rien. Y'a des gros ennemis en weapon. Oh putain. Là. Oh mais oui. Mais genre j'en ai eu qu'un. C'est chaud là. Vous repartez au combat, n'épargnez personne. Boost d'expérience actif. Dans la tente là, ils disent. C'est des jaloux qui me tirent dessus. On n'a pas peur, hein. Tut. Je suis venu faire coucou les gars, avec un autre véhicule.
Coucou. Et on se casse. Allez, on reprend notre petite tournée. Hop. Oh putain. Putain, il faut changer le... Changer le trajet. Vous en faites pas pour nous, on fait que passer. Hein. Pour l'instant, on a personne qui nous honore de sa présence. Oh putain là. Oh putain, alors ceux-là ils sont pour moi. Oh putain, oui. Je te vois. Un décédé. Oh bon. Et toi? Oh, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué.
Merde. Zéro bardi. Wow. Achtung, eine paresseuse. Ok, let's go. C'est toujours 50, c'est toujours du duo. Du solo versus duo, bien évidemment. Est-ce que ça va sauter à contrôle? Je pense que ça va sauter à contrôle, hein. Pour ne pas changer. Ok, là on a bio-répond, ouais, mais contrôle, j'aime bien quand même. Contrôle. Ah merde. Je sais bien. Non, non, non. Toi, je vais venir te chercher par contre.
Ouais. C'est une blague. Largage tactique allié imminent. Bien vu. Complètement con ce gosse. Ah ouais. D'accord, pardon. Oui, d'accord, bonjour.
casse. Top 7. C'est pas mal, top 7. 6 kills. Et je vais m'en faire une petite dernière. Et après, je pense que je vais essayer d'aller monter cette vidéo pour voir si c'est encore une meilleure qualité sur YouTube. Je vais aller voir. On va tester les man.
Merde, pourquoi j'ai sauté direct? Bah je vais aller là. Comment est-ce possible? J'aurais dû y aller avec ma mitraillette, mais ça aurait été rigolo avec ça. Pas forcément le meilleur déploiement, ça, on va pas se mentir. Ah, mais non. Quel dommage! On continue, on donne tout. Bah les couilles. Ok. Préparez-vous au déploiement.
Ah mais je suis tout seul, je suis trop con. Yeah. Ok les gars, on va là. Ok, ça marche, Fafty. Oh putain. On y va, on y va. Ta sœur. Voilà. Putain, j'avais vu les pas. Mais je me suis fait éclater. Hein. Quel endroit j'ai vu son nombre. J'en ai quand même mis un à terre. Oh putain de merde.
Ouais, je me doute bien, je me doute bien. Et rejouer. Bon bah écoute, on peut pas rejouer a priori. Allez, celle-là, c'est la petite dernière. Ah, je vais faire un truc en bas. Vite, teuf, je reviens. Ok, c'est mieux avec le micro, bien évidemment. Ça va pas te camper comme ça? Non mais oh. C'est pas grave. J'aurais sauvé la ville des campeurs. C'est parti. C'est raté, putain. Quel endroit?
Bah non. Pas quand même. Pas comme ça, Zinedine. Y'a pas grand monde, je crois qu'il y a qu'une équipe à contrôle. Oh putain. Du coup ça rend ma tâche un peu plus complexe, ouais. Logique. Bon bah voilà, bah c'était la dernière. Écoutez messieurs, dames, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bah on va aller monter la vidéo de tout ça.